you in the booth with me. La 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 la. This one's for you. La 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 la. This one's for you. Avant que ne débute ce match très attendu, la caméra qui s'attarde sur celui qui pour l'instant occupe la tête du classement des buteurs et qui va tout faire pour marquer encore une fois aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. On est à Dortmund au Signal Iduna Park. C'est un extraordinaire. Tu sais que c'est pas facile à dire et que tu l'as drôlement bien prononcé. Et à l'occasion de cette rencontre, eh bien nous allons suivre le Borussia Dortmund face au Werder Bremen. Un petit mot sur les deux équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. La Bundesliga qui est un championnat offensif. Et le Borussia Dortmund est la meilleure attaque de la Bundesliga. On verra si cela se vérifie encore aujourd'hui. En tout cas, on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. Le Borussia Dortmund, qui rappelons-le, reste sur une victoire en déplacement face au FC Cologne. C'est vrai, un très beau 4-1, mais aujourd'hui je suis plus prudent, je verrais plutôt un nul. Composition d'équipe qui laisse penser que le pressing va être constant, que l'adversaire va avoir du mal à respirer hein, dans ce match. Ouais, ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très possible. De nos jours, si tu cherches pas à récupérer le ballon rapidement, t'es vite en danger. Le 11 de départ du Werder de Brême. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disent les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. C'est le Borussia Dortmund qui engage. Allez, l'occasion peut-être de mener. Hors jeu, oh dommage, il était tout seul. Dans les chalines. Adara Bioyo. Fletcher. Eh ouais, l'arbitre, il fait partie du jeu, ça joue, ça joue. Nouri Sahin, allez, il lève la tête pour le centre. Il repousse le danger loin devant. Sahin, personne dans le couloir pour gêner cette action. Un gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Michy Batshuayi. Oh, le vilain tacle où l'arbitre va sévir à mon avis. Allez, un carton jaune, ça va le calmer et ça va surtout lui poser des petits problèmes jusqu'à la fin du match hein, maintenant. Ah, l'adversaire d'en profiter maintenant. On voit cette intervention défensive irrégulière. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir, c'est donc un corner. Corner, le ballon. Adara Bioyo.
Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Maitland Niles, Chaloba. Péchi Batshuayi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le dégagement pour éloigner le danger. Nene. Ah oui, hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Maitland Niles. Chaloba. Fletcher. Attention, il a du champ devant lui. Attention, le centre. Et le danger qui est écarté. Et la défense qui va pouvoir souffler. Une touche dans les 30 derniers mètres pour Dortmund. Péchi Batshuayi. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Klaassen. Norrie Shahin. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Gibbs White. Péchi Batshuayi. C'est un adversaire qui récupère cette passe. C'est une touche pour les jaunes et noirs. Gibbs White. Péchi Batshuayi. Chaloba. Allez, il faut centrer. Fletcher. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Une frappe sans contrôle qui ne laisse aucune chance au gardien. Oui, tout en spontanéité, Hervé. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Le Borussia Dortmund qui est devant au score. Norrie Shahin. Yann Gambiwa. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Maitland Niles. Il faut un peu de la passe à 10 là. Ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. Ah, il va centrer. Norrie Shahin. Oh, le ballon au fond du filet. Ah, le relâchement coupable, comme on dit. Hein. Il marque et puis il s'en prend un juste derrière. Et tout est à refaire maintenant avec ce but égalisateur. Le but sous un autre angle. Et voilà donc à égalité, un but partout. Fletcher. Péchi Batshuayi. Oh, c'est bien mené ça. Hors-jeu. Hors-jeu, dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu.
Klaassen. Zayn. Ah non, le ballon est perdu. Gibbs White. Fletcher. On va peut-être assister à une lumineuse cette passe. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Klaassen. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et les... Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc. Un joueur dont la retraite est de plus en plus souvent évoquée. Oui, c'est un sujet qui revient souvent en ce moment. Bah, c'est à lui de prendre sa décision et on ne pourra que respecter son choix. Et le tireur qui a visé. Abioyo. Le dégagement pour éloigner le danger. Maitland Niles. Gibbs White. La passe est interceptée. Tony Lato. Ça sort en touche. Il est sur la trajectoire. Ennemi. Il s'avance vers la surface. Voilà la faute. Ça va donner un coup franc très dangereux. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. Sur le ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Le mur s'est avancé, l'arbitre a perdu patience avec ce joueur. Il a raison de sortir le jaune, on perd du temps avec ses phases arrêtées. Une partie du public a bien compris le petit manège des visiteurs. On cherche à gagner du temps sur chaque phase de jeu. Ce serait bien que l'arbitre intervienne. Ouais, c'est déjà que c'est pas un bon résultat pour les locaux. Si en plus on rajoute à ça de la frustration, c'est sûr que ça commence à grincer dans les tribunes. Fletcher. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ah, il récupère les vertus du pressing. Dory Chain. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Michy Batshuayi. Et ce ballon qui est récupéré. Il choisit la frappe. Gibbs White. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Fletcher. Michy Batshuayi. Ouais, le hors-jeu qui est signalé. Ouh, ça doit être vraiment limite. Hein. Michy Batshuayi. Oh oui, encore une bonne passe. De prendre l'avantage. Ah oui, l'arrêt réflexe du gardien, magnifique. Ouais, tout le monde le voyait dedans ce ballon, mais finalement non. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, il détourne le ballon du bout des doigts, le gardien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, la frappe. Le ballon qui sort, ce sera un nouveau corner.
est bien frappé ce corner. Fletcher, belle occasion de but hein, sur ce corner. Pas très loin du cadre, j'ai l'impression. L'arbitre a décompté 4 minutes de temps additionnel. Ah oh, l'interception, il a tout anticipé. Attention, ça peut être dangereux. Il repousse le tir. Et ce ballon qui sort en corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ça reste dangereux, mais il y a quand même du monde. Mal exploité, hein, ce corner. Ils auraient pu créer plus de danger dans la surface, c'est sûr. Chaloba. Allez, il y a du monde pour reprendre. Il n'y aura personne à la retombée de ce... Allez, un partout, on va en rester là à la pause. Mais il reste 45 minutes pour faire la différence. L'équipe à domicile accrochée par son adversaire à la pause. On a vu une équipe moins efficace que d'habitude. Rien de marqué pour l'instant, mais il reste encore une mi-temps pour le faire. Oh, le vilain tacle. Oh, l'arbitre va sévir à mon avis. Allez, un carton jaune, ça va le calmer. Et ça... Allez, il faut centrer. Fletcher. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. C'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Ah, il va centrer, il va centrer. Nuri Sahin. Oh, le ballon au fond du filet. Ah là, le relâchement coupable, comme on dit. Hein. Il marque et puis il s'en prennent un juste derrière. Il vient de prendre l'avantage. Ah oui, l'arrêt réflexe du gardien, magnifique. Ouais, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, la frappe. Le ballon qui sort, ce sera un nouveau corner. Ouais, bien frappé ce corner. Fletcher. Belle occasion de but hein, sur ce corner. Pas très loin du cadre, j'ai l'impression. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ça reste dangereux, mais il y a quand même du monde. Mal exploité, hein, ce corner. Ils auraient pu.
Début à l'instant de la seconde période. Adara Bioyo. Adversaire qui hérite de ce ballon. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh, c'est dangereux. Le gardien qui repousse, attention. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Yann Gambiwa. Tony Lato. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Un corner adressé à David Klaassen. Le dernier mot pour le gardien. Maitland Niles. Gibbs White. Fletcher. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ils font tourner en attendant une brèche contre cette défense. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Oh, voilà le but. On le sentait venir et il est là. Et cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant, l'idéal, ce serait de confirmer. C'est un peu constaté une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Le Borussia Dortmund qui est devant au score. Yann Gambiwa. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à... à rentrer au prochain arrêt de jeu. Gibbs White. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tony Lato. Allez, peut-être une bonne occasion. Il avait bien senti le coup. Gibbs White. Chaloba. Allez, le score leur est favorable. L'adversaire n'attaque pas beaucoup. Alors le ballon tourne. Fletcher. Ouais, il a du soutien. Ah, une frappe pointaine, pourquoi pas. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Ah non, le ballon est perdu. Attention à la frappe. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et ça fait deux buts, superbe doublé pour lui. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Classe. Interception. Oh, que c'est bien mené ça. Une frappe lointaine, on sait jamais. Ah, un bon ballon d'attaque. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. La défense qui concède un corner.
Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Il récupère le ballon très haut. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Nenni. Lumineux cette passe. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Oh, c'est impossible. C'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh, mais tu sais, en foot, tout est possible, hein, même vendanger à ce point. Ce ballon qui est intercepté. Timothy Weah. Un petit peu trop forte cette passe aérienne. L'action s'arrête là. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Fletcher. Timothy Weah. Il veut faire sortir la défense, hein, c'est clair. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Ah, l'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Non, c'est contré. Klaassen. Ah, il a pris sa chance de... Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Le réalisateur ne s'y trompe pas. S'il y a un joueur qui mérite vraiment qu'on s'arrête sur lui aujourd'hui, c'est bien lui. Il participe à presque toutes les occasions de son équipe en jouant sur des qualités qu'on lui connaît, à savoir sa vision du jeu et sa capacité à donner le ballon au bon moment. D'ailleurs, il a délivré une passe décisive dans ce match. Ça va être compliqué. Adara Bioyo. Maitland-Niles. Les joueurs qui se passent le ballon dans leur camp, tranquillement. Gibbs White. Chaloba. Oh, c'est bien donné en profondeur. Dans la boîte, il y a du monde. Ah, c'est pour personne. Et ça part très loin avec ce dégagement. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Ah, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah, le but. Plus qu'un petit but d'avance. Ah, ça nous promet une fin de match vraiment animée. Ouais, je sais bien qu'il reste très très peu de temps, mais... T'imagines les mecs en mettre un autre juste après, il va falloir serrer les rangs derrière, ça va pousser. Je vous rappelle le score, hein, 3 buts à 2 maintenant. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Oh, sacrée frappe! Elle passe pas loin du cadre. Hein. Non, ça passe même tout près. Il reprend ce ballon de la tête dans la surface, le gardien est trop court pour aller le chercher vers son poteau droit. Cette fin de match qui s'emballe. Reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Zain. Prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Bah, ce serait pas mal, oui. Klaassen. Nenni.
Demi Klaassen, contré. Un corner, grosse pression sur la défense, j'imagine, grosse pression. On va assister à un changement pour le Werder de Brême. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Ah, le corner qui prend à revers les attaquants et qui ne donnera rien. Nnini, Klaassen, Nuri Sahin, Kondilato. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Ça passe au-dessus. Il était peut-être un petit peu loin quand même. Hein. On va dire qu'il a mal maîtrisé son geste. Un peu de précipitation peut-être. L'attaque de la dernière chance pour égaliser. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Allez, le centre maintenant. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh, mais tu sais, en foot, tout est possible, hein, même vendanger à ce point. Kepa Arrizabalaga. Chaloba. Le ballon qui passe d'un jour à l'autre. Tout le monde semble attendre la fin du match, en fait. Fletcher. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas, ça joue très très bas. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant. Et c'est donc le Borussia Dortmund qui l'emporte aujourd'hui. Bon, on avait peur au début du match que les conditions météo ne viennent gâcher le spectacle. Eh bien, ça n'a pas été le cas du tout. Les statistiques qui sont confirmées dans ce match, le Borussia Dortmund marque encore et s'impose. L'équipe a réalisé un vrai festival offensif. Oh, le vilain tacle! Où l'arbitre va sévir, à mon avis. Allez, un carton jaune. Ça va le calmer. Allez, il faut centrer. Fletcher. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Ah, il va centrer. Nuri Sahin. Oh, le ballon au fond du filet. Ah là, le relâchement coupable, comme on dit. Hein. Il marque et puis il s'en prennent un juste derrière. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah, le but, plus qu'un petit but d'avance. Ah, ça nous promet une fin de match vraiment animée. Ouais, je sais bien qu'il reste très très peu de temps, mais